Salut à tous, c'est Chumi et je vous retrouve pour un deuxième replay. Oui, en ce moment, je sais pas, je l'ai fait par deux parce que j'en entends. Le deuxième replay, cette fois-ci, donc, il m'a été envoyé par Flyana Bros, qui est donc madame Flyana. Flyana est l'un des modérateurs et des rushers hein, de ma chaîne Twitch et YouTube, qui m'a donc fait passer un replay de sa chair et tendre en RHM Scorpion G. Et il m'a dit que c'était intéressant à voir. Ça a été également salué par le reste des dérocheurs, du coup, je vous le présente. Donc, petit Scorpion G sur Himmelsdorf en bataille impromptue, bah comment que c'est qu'elle va faire, comment que ça va se passer. Donc, le RHM Scorpion G, donc le petit TD premium allemand, un petit peu maniable, un petit peu mobile, pas résistant du tout, mais avec des obus qui picotent plutôt pas mal pour ce que c'est. On voit que elle est partie en condition un petit peu, on va dire, de prise de position avec le camo et les binos. Même si la portée de vue n'est pas exceptionnelle sur ce TD là, ça peut parfois vous sauver la vie et vous permettre du coup de vous en sortir. J'ai expérimenté ça avec mon SU-100 il y a un certain temps, ou si j'avais pas eu les binos, je m'en serais pas sorti. Donc là on est sur une petite partie où elle est top tier, c'était encore sur le serveur donc en 9.17.1. Là on voit pour l'instant elle a pas de bol sur ses tirs, hein. Elle a pas de bol sur ses tirs, le premier qui était un petit peu trop en arrière, et le deuxième donc qui lui en revanche n'était pas, je sais pas, il a dû toucher le sol. Et on voit que là elle a pas de bol parce qu'il y a un RHM en face, manque de bol, il y a un LTTB qui a poussé, tout le reste de l'équipe, mon dieu, ils sont tous partis en 9-0. Ils sont tous partis en 9-0 et ils ont laissé du coup, voilà, le seul qui allait éventuellement tenter de faire un peu de spot vient de se faire sortir. Là, elle est mal. Hein. Elle est mal parce qu'ils sont que 3 avec l'arty à gauche. Tout le reste, ils ont fait complètement les lignes, hein, comme on dit. Ils se sont suivis, ils sont tous montés en 9-0, laissant complètement un flanc à découvert. Les gens, c'est pas une game normale. Ah, la tentative de tir sous la... Ouh, avec le feu sur le 3400, ça c'est bien. Ne jamais oublier que vous pouvez tirer sous les rails hein, sur cette map, et il n'y a pas que sur celle-ci. Allez, vas-y, comme ça tu... Oh, dommage, l'obus qui troll complètement Flyana Bros. Sauf que en face, bah lui, il sait pas qu'il peut tirer en dessous. Ah, le LTTB, tu peux te le faire. Bim, allez, un LTTB à 0. Ça, c'est fait. Maintenant, vite, se reculer. Ah non, peut-être pas. Non, parce qu'il y a un T-43 devant toi. Tu vas devoir rester à couvert et tenter, une fois de plus, de viser sous le rail. Allez, allez. Et là, pour l'instant... Oh, le bol. Crit 0, c'est la chenille qui a pris le dégât. Le problème c'est que là elle est super mal parce qu'il reste le TVP, sauf qu'il y a un bulldog et à gauche il y a plein de monde. Mais je disais donc sur cette map les gens réfléchissez un peu, souvenez-vous que le point de cap, ouh, bien joué sur le T4400 mais il a réussi à t'en coller une. Là c'est chaud, là il faut compter sur ton TVP pour sortir le bulldog. Là tu te fais agresser, ouf, la Mourak qui te sauve la vie du T43. Allez, le reload. Si tu reload et que tu sors le chrome à temps... Oui. Ouf. Aïe. Mais alors là, tu me fais des frayeurs, là. Le TVP, heureusement, qui réussit à sortir le bulldog. Heureusement que tu as Amorak, hein, le T43 qui venait, parce que là, tu t'en sortais pas. Là, tu t'en sortais. Vite, et recule. Voilà, Loïc, il s'est fait des caps. Toujours à la paix à noter, hein, elle n'a pas tiré une seule mission premium depuis le début. Toutefois, faire attention qu'il y a 3 artis derrière et il te reste 72 PV. Autant la Lorraine, je m'inquiète pas trop, que la Hummel et la SU, ça va pas être la même histoire. Donc là, clairement la morale du T43 qui a réussi à te sauver la vie. Et là, attention tes spots, attention, 3, 2, 1, bim, parti sur le oui. Vite, remettre à couvert. L'arty qui, bien évidemment, touche à côté. Celle-ci, ça devait être la Lorraine. Faire attention. Ouf, le bol. Le RHM qui te fait clatraque. Il faut que le TVP aille à tout prix sortir. Soit l'arty, soit le RHM. Là, je pense que c'est le RHM qui a dû taper dans la carcasse. En plus, a priori, le RHM qui est au petit canon, au vu des dégâts initiaux qui ont été faits par le RHM tout à l'heure.
Là, faire très attention. Là, taille du bol. Taille du bol qui te fasse un crit 0, qui te touche la traque. C'est la traque qui a complètement absorbé les dégâts. La 14-2, allez, tu prends le temps, tu tires maintenant. Voilà, bien la 14-2 en moins. Ça fait toujours ça de fait. Maintenant, collé au bâtiment. Pense qu'il reste une Lorraine. Il reste une Lorraine. On ne sait pas où elle est, la Lorraine. La M40 qui sort, le VZ. Là, hop, la Lorraine qui est à gauche. Allez, tu restes. Elle te regarde. Oh, cette game! Oh, cette partie! Waouh! Très belle partie de Flyana qui, malheureusement, Flyana Bros, qui décède sur la fin par la Lorraine. Donc là, c'est du coup du. Je sais plus le nom de la petite médaille. Hein. C'est. Voilà, ils se sont entretués jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais franchement, belle game. Très belle game de ta part. Tu as été chanceuse. Hein, clairement sur le T43 de lui faire le rack, parce que t'aurais pas fait la morale du T43, je pense que soit il sortait, soit le chrome qui venait derrière sortait, mais là tu étais vraiment mal. Le premier tir que tu as reçu de la part du RHM dès le début, t'as clairement mise mal, très mal, mais tu as réussi quand même à t'en sortir. T'as eu deux coups de bol, deux gros coups de bol, le premier étant celui où le T4400 t'a tiré dans la chenille et la chenille a absorbé le dégât. Et du coup, t'as pas pris de dégâts, hein, crit 0. Et la même sur la fin avec le RHM qui ne te fait que, entre guillemets, la chenille. Même si les orties n'ont pas été réactives derrière, elles ont eu le tir précoce et elles auraient pu te sortir à ce moment-là. Mais voilà, dans tous les cas, extrêmement bien réussi hein, d'avoir tenu comme ça en 1, 2, 3. Le RNG était clairement de ton côté. Avec quand même quelques petits ratés au début, c'est dommage, hein, sur le chrome. C'est un peu dommage, premier tir un peu derrière, deuxième tir qui est parti dans le sol, ça tue plus rien. Mais pour le reste, superbe game, et merci à tous les deux de m'avoir fait passer ce replay-là, qui était sympa. Comme d'habitude, un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, partagez la vidéo, likez la vidéo, vous abonnez si c'est pas fait, et puis je vous mets les résultats de suite. Donc ça nous fait une classe 1. Hein, parce que évidemment comme sur le RHM Scorpion G, le niveau est assez élevé, c'est assez compliqué d'atteindre la Master, à moins d'être un excellent joueur. Une classe 1, la petite médaille dont je vous parlais, dont j'ai oublié le nom, celui qui fait, bah voilà, hein, vous êtes un petit peu auto-détruit hein, finalement, ce qu'il faut dire, parce que tu as réussi à détruire la Lorraine juste après qu'elle ait tiré, et qu'elle t'est achevée dans les secondes qui suivent. Hein. Les joueurs de Warship connaissent ça. On balance les torpilles, on se fait tuer, et pendant ce temps-là, les torpilles continuent leur route, et on vient d'achever la cible qui nous a détruit quelques secondes avant. C'est un peu la même. On retrouve aussi la petite médaille de la Morak, hein, qui lui a sauvé la vie sur le T43. Franchement, c'était beau. C'était beau. Gros calibre, Top Gun, parce que mine de rien, elle en a fait 6. Hein, elle a fait 4133 points de dégâts. Elle a tué le T4400, l'OI, le LTTB, le Cromwell, le T43, la Lorraine et la SU-14-2. Très beau boulot, franchement, très beau boulot. Même en étant décédé sur la fin, tu restes quand même top en XP, hein, meilleur XP de la partie. Et top dégâts avec 4133, même si les 1100 clairement du T43 t'auront bien aidé. Et même si on enlève les 1100, tu restes quand même dans le top dégâts, et ça c'est pas mal du tout. Hein, c'est une très belle game qui nous a sorti, d'ailleurs 7 kills et non pas 6. 7 kills. Pourquoi j'en ai oublié un? Non, c'est ça, 7 kills. J'ai pas eu en face des trous, mais bien 7 kills. Très belle partie. Très belle partie. Sur tes 13 tirs, eh ben, t'en as touché 10. Donc les deux qui ont raté au début et un qui est parti dans le wagon quand tu étais face au T4400. Tous les autres tirs, à l'exception d'un, ont tous percé. Ils ont tous percé, tu as ricoché qu'une seule fois, ou un crit 0, c'était le crit 0. Mais à côté de ça, non, franchement, très belle game et chapeau. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, je vous laisse faire ce que j'ai dit il y a quelques secondes plus tôt, liker, partager, vous abonner. Pour m'envoyer les replays, je le répète une énième fois parce que visiblement les gens n'écoutent pas, lisez la description, s'il vous plaît. Hein, c'est toujours la même parce que l'adresse mail de contact n'a pas changé. Rien n'a changé, si vous voulez m'envoyer vos replays, tout est marqué dans la description de cette vidéo-là. Et puis n'oubliez pas le lien boîte replay, que des gens m'envoient des demandes, mais ne me fournissent pas le lien boîte replay, donc j'ai une demande, mais j'ai pas de replay. Ça va être compliqué pour moi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, je vous dis à très bientôt, c'était Tchoumi. Allez, bye bye.